marque. Voilà, là, quel but. Et il nous montre tout ça. Sans joie. Le week-end sportif et les Diables Rouges, via Dexia. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce week-end sportif, un week-end sportif particulièrement chargé en événements majeurs. Le Tour de France, le Grand Prix de France de Formule 1, le championnat du monde de motocross en Suède, le rallye d'Ypres, mais aussi bien sûr, et c'est par cela qu'on va commencer, l'Euro 2004 de football, avec cette affiche inattendue, historique aussi pour chacune des deux nations, Portugal-Grèce. On rappellera aussi que c'était Portugal-Grèce, le match d'ouverture de ce fantastique Euro 2004 que vous aurez eu le plaisir de suivre en notre compagnie sur la RTBF. Alors, qui est champion d'Europe, le Portugal ou la Grèce? En tout cas, réponse avec Damien Detri. Un drapeau grec et un drapeau portugais, retour à la case départ. 22 jours après avoir ouvert la compétition, revoici donc la Grèce et le Portugal, mais cette fois, c'est pour écrire l'épilogue de cet Euro. L'occasion aussi pour les Portugais de prendre une revanche sur leur adversaire, à moins que ce ne soient les Grecs qui parviennent à forger un dernier exploit. Fidèles à leurs habitudes, les hommes de Toréagel sont bien organisés sur le terrain. Ceux de Scolari ne parviennent pas à dérouler. Le scénario est désormais Portugal ouvre la voie. Figo et ses partenaires ne manqueront pourtant jamais de volonté lors de cette finale. Les occasions sont là, mais le chrono continue de tourner. Le score, quant à lui, n'évolue pas. Il reste 3 minutes dans le temps réglementaire. Voici la dernière tentative. Figo à quelques centimètres d'un exploit qui ne viendra plus. Le Portugal. Voilà, dans un instant, on rejoint Michel Lecomte et toute l'équipe de la RTBF sur le Tour de France à Charleroi. C'est l'arrivée de l'étape aujourd'hui. Juste avant cela, on file à Wimbledon. Je pense que Pierre Robert est en direct pour ce qui est la balle de match. Dans le premier set, les deux joueurs qui se congratulent, qui nous ont offert une finale aux multiples rebondissements, 4-6. Rythme là, Pierre, avec la qualité qu'il nous a proposée pendant cette quinzaine, il est capable de se rapprocher très très vite du record de Pete Sampras ici à Wimbledon. Les 7 titres remportés par Pete Sampras, le dernier en 2000, la 8e finale, 8e victoire et surtout 24e succès sur le gazon. Hall, deux fois, Wimbledon deux fois. Pour Roger Federer. Voilà, vous l'aurez constaté, plus en direct que ça, ça n'était pas possible. Victoire donc du Suisse Roger Federer sur l'Américain Andy Roddick. Importante page cyclisme à présent. Le Tour de France est chez nous. 4 jours en Wallonie et en Brabant-Wallon. Hier, le prologue à Liège. Ce dimanche, une étape Liège-Charleroi longue de 200 km. Victoire au sprint, mais de toute justesse, vous allez le constater, de l'Estonien Jan Kirsipuu, résumé Benjamin de Seninck. C'était hier, après le prologue, premier coup de pédale et première larme surtout pour Fabian Cancellara, un jeune en jaune. Et dès ce midi, avec le départ de Liège et pour les prochains jours, on savait que le jaune allait être prisé par les sprinteurs. C'est d'ailleurs pour l'instant un peu le monde à l'envers, avec Armstrong et ce maillot vert sous son survêtement noir, parce que Cancellara ne veut pas porter tous les maillots. Mais il reste à désigner le meilleur grimpeur provisoire, un maillot dont les poids ne sont pas trop lourds à porter pour Jens Voigt, qui passe en tête de la côte de Florzé. Bettini, lui, passe en tête de la suivante, la côte d'Aouen, car avec ses premières difficultés, la première échappée s'est formée. 5 hommes, Hazel de la Française des Jeux, Bettini de chez Quickstep, Renier de la Brioche la Boulangère, Tombach de chez Cofidis et Voigt de chez CSC. Et donc, en tête du peloton, les Fassa Bortolo, équipiers du maillot jaune et de Petaki, favori de l'étape, roule. Il se promène dans les bois de nos Ardennes, le Tour de France est en vacances et envoie quelques cartes postales de notre Belgique. Souvenir de la Roche et son château du 9e siècle, quelques kilomètres plus loin sur l'Ourthe, le peloton est à Auton, bien encadré comme toujours par le public malgré la pluie. Ah, quel ballon d'oxygène, cette balade en Ardennes. 2 minutes 30 secondes d'écart, un peu plus de 100 km de l'arrivée à Durbuy, plus petite ville du monde, et petite difficulté aussi à la sortie. Côte de Borlon, 3e catégorie, 4,5 km à 4,5%, c'est la côte la plus difficile que les coureurs franchiront en Belgique, de quoi faire la fête à notre Alpe d'Huez à nous. Et au sommet, Bettini passe devant Tombach, il partira demain avec le maillot à poids. L'écart avec le peloton, 2 minutes 10, nous sommes à la mi-course. Et avec les routes mouillées, la descente est sans doute plus difficile que la montée. Voigt et Renier devant, on oublie de tourner, sans dégâts apparents.
mais on ne chute pas toujours dans les virages ou sur les routes étroites, en pleine ligne droite. Hazel l'apprend à ses dépens, une seconde d'inattention, et il se retrouve le nez sous le guidon, sur le goudron, mais il parviendra à rejoindre ses compagnons. En tête du peloton, les Fassa Bortolo accélèrent pour revenir, mais pour lâcher aussi Maggi et Cipollini, distancés dans les précédentes difficultés. Devant l'Estonien, Hazel a apparemment bien récupéré. Il remporte le premier sprint intermédiaire devant Voigt. Mais l'étape n'est pas si limpide. Le vent, la pluie, les pièges se referment sur une partie des coureurs. Le peloton explose, mais se reforme, car même le groupe de Cipollini finit par rentrer. Nous sommes à oui. Et non, on ne fait pas le mur, mais le regroupement est général. Juste avant le deuxième sprint intermédiaire de Wans, Uchoft y passe devant le maillot jaune Cancellara, 6 et 4 secondes de bonification pour ces deux coureurs. Et le peloton en profite enfin pour ralentir un peu, la route est belle, la route est belge. Mais le troisième sprint est en vue, Tom Bonnen maillot blanc aussi, mais il est devancé par Oguedi et Cancellara, ce n'est pas très bon pour le moral. Dans la foulée, deux hommes sont partis, Jacob Pihl et Mark Waters, un belge. Ils prennent la clé des champs. Et à Saint-Denis, le peloton sombre dans la léthargie, 1 minute 30 de retard. Un peu plus loin, à Jambloux, l'écart passe même à 1 minute 50. Alors les Quick-Step viennent aider les lotos pour remettre le peloton sur de bons rails grâce aux deux équipes belges. 1 minute 25, il reste 15 km. C'est un match entre deux hommes et deux équipes. Mais la lutte devient déséquilibrée quand les Fassa Bortolo et les Crédits Agricoles se portent aussi en tête du peloton. 45 secondes à 10 km de l'arrivée. Ça roule côté face, côté Pihl et Waters, ça grimace. Loin derrière, Maggi qui souffre du dos est irrémédiablement lâché. Les Vallées Vertes cèdent leur place aux Collines Noires. Nous sommes au pays de Charleroi pour l'arrivée, décollage immédiat. Une dernière chute ne perturbe pas le travail des Fassa Bortolo et notamment celui du maillot jaune en personne. Les deux échappés sont repris dans le dernier virage à moins de 2 km de l'arrivée. Le sprint est lancé. Bonnen, problème mécanique, est déjà battu. Uchoff qui emmène de loin, Peta qui est beaucoup plus loin, Uchoff, Nazon, Kirsipou. Peta qui est lâché aussi, et Peta qui ne va pas remonter non plus, Makiwan maintenant, Peta qui est battu, et c'est qui gagne? C'est Kirsipou qui gagne devant Makiwan Hondo. Et oui, l'arrivée contre le vent est légèrement en côte, convenait parfaitement à Kirsipou qui signe son 118e succès devant Makiwan 2e, Uchoft 3e, Hondo 4e, Peta qui est 8e. Au général, Uchoft revient à 2 secondes de Cancellara, mais est désormais en tête du classement du maillot vert. Le champion de Norvège à gauche est donc l'autre vainqueur du jour avec Kirsipou à droite. Oui, et vous le savez sans doute parce que la presse en a abondamment parlé pour couvrir la grande boucle. La RTBF a, comme on dit, mis les petits plats dans les grands. Toute une équipe sous la houlette de Claude, notre réalisateur, et de Michel Lecomte, notre rédac-chef en personne. Michel Lecomte, bonsoir. Vous êtes en direct du Spirou Dôme à Charleroi et je pense en compagnie de Jean-Luc Vandenbroek. Oui, bonsoir Pierre. Nous sommes en direct évidemment là où on attend de faire la fête autour et on va surtout faire la fête du foot hein, pour terminer en apothéose avec Portugal-Grèce ce soir sur notre antenne et en direct si vous le souhaitez. Vous pouvez venir nous rejoindre, vivre sur les grands écrans du Spirou Dôme avec la une et vivacité, vivre cet événement de taille. Alors Jean-Luc Vandenbroek est là. Ben, un premier sprint massif pour arriver à Charleroi sans Petaki, un routinier, et sans Bonnen, le néophyte belge qu'on attendait. Ça ne vous surprend pas ? Oui, c'est une petite surprise. On attendait Petacci, on attendait Cipollini, voire Bonnen. Et c'est Kirsipou qui a surgi et qui met tout le monde d'accord. Bon, c'est ça le sport. Oui, alors on va entendre tout de suite Kirsipou à l'interview. On va aussi entendre Axel Merckx qui compte développer une tactique très précise dans les prochains jours pour se mettre en évidence avec l'équipe belge l'Autodôme. Personne ne m'a attendu vraiment parce que je n'ai pas fait des grands résultats c'est depuis 2 mois. Moi-même, j'étais un peu en doute parce que j'espérais de commencer à avoir des jambes à partir de 3e ou 4e étape. Et puis, d'un coup, ça sourit dès la première étape, donc je suis très content. Je ne suis pas très bon dans les sprints très rapides, mais
Celle-là, c'est le domaine de Petacchi ou Cipollini, mais aujourd'hui, c'était vraiment pour moi. Je pense que Cancellara va essayer de défendre son maillot coûte que coûte le plus longtemps possible, certainement jusqu'au chrono par équipe. Nous, je pense qu'on va ou bien se glisser dans une échappée ou bien essayer de faire le forcing dans la finale pour amener Roby dans les meilleures circonstances pour une victoire d'étape au sprint. Voilà, les Belges se sont montrés hein, via Wouters, qui était bien présent dans une belle échappée. Bonen pas là. Alors Bonen, on attend peut-être trop de Bonen tout de suite, Jean-Luc. Oui, certainement. Bon, avec son début de saison canon, tout de suite, tout le monde porte Bonen sur les mêmes bases que Petacchi. Mais laissons-le grandir, c'est un jeune coureur. Il découvre le Tour de France, donc il a besoin d'un apprentissage. Et là, bon, ne soyons pas trop exigeants avec lui. Il va peut-être nous réserver une bonne surprise dans les prochains jours. Et peut-être aussi un stress supplémentaire, le fait d'être en Belgique sur cette terre, en quelque sorte. Certainement, on peut dire. Déjà, le Tour de France, c'est tous les jours une classique. Ça, c'est une chose. Mais rouler devant son public, avec un nom avec comme le sien, c'est un futur grand. On le considère déjà comme un deuxième Museu. Mais bon, il n'a que 23 ans, donc s'il vous plaît, soyons calmes avec lui. Allez, attendons, ne précipitons pas les choses et n'allons pas trop vite en besogne. Les Italiens, on l'a dit, attendez Petacchi, on sait combien les Italiens sont présents et sont nombreux dans la région de Charleroi, comme à Liège. D'ailleurs, ils étaient là, ils se manifestaient et Frank Peterken les a rencontrés sur la ligne d'arrivée. Un peu déçu tout compte fait à l'arrivée. Comme hier, il y avait aujourd'hui beaucoup de monde sur les routes belges du Tour de France. Une foule compacte sur le parcours, mais aussi sur la ligne d'arrivée. Avec toutes les nationalités, belges bien sûr, norvégiens, irlandais, mais aussi et surtout des Italiens. Depuis 9h30, on est ici. Sous la pluie, et j'espère que ça va bien se dérouler, que Petacchi va gagner ou Cipollini, des deux. Forcément, vous soutenez les coureurs italiens. Les coureurs italiennes. Et oui, les tifosi sont là, d'autant que le final se prête à une arrivée massive et que l'Italie compte d'excellents sprinteurs. Ce n'est donc pas facile de faire un choix. Petacchi ou Cipollini? Les deux, il n'y a pas... Il faut choisir. Petacchi, alors. Petacchi. Oh, Petacchi. Petacchi ou Cipollini, s'il fallait faire un choix? Non, Petacchi. Vous supportez les coureurs italiens, en tout cas? Pas mal. Forza Cipollini, forza Petacchi, forza tutti i corridori migliori che abbiamo in Italia. Et oui, vive tous les coureurs italiens, ce sont les meilleurs. Il y en a donc qui sont déçus ce soir. Allez, bon tempérament, hein, nos amis italiens, évidemment, qui seront encore là à Namur en espérant ce succès italien qu'ils attendent en particulier. Nous, les Belges, on parlait du stress, courir sur ces terres. Forcément, ça doit être aussi une très grande motivation, Jean-Luc, quand on débute le Tour en Belgique. Et de quelle façon? Oui, tout à fait. On a souvent vu des exploits de nos coureurs chaque fois qu'ils passaient chez eux. Le dernier en question, c'est Marc Wouters, qui avait gagné à Anvers, il a porté le maillot jaune. C'est vrai qu'on est survolté, on a vraiment un état d'esprit autre que d'habitude. Bon, maintenant, les coureurs doivent profiter encore des deux prochaines étapes et essayer peut-être de nous ravir avec une victoire. Allez, on l'espère. En tout cas, ce sera avec nous et sur la RTBF. Ça, c'est une certitude. Les directs de Rodrigo, vous connaissez ça. Bilan à Liège, déjà très, très positif, comme vous allez le constater. Liège doit partir l'étape ce matin avec la séquence de Olivier Badard. Ça y est, sur la pointe des pneus, le Tour quitte la Cité Ardente, une ville qui a plus que jamais confirmé son appellation. À l'heure du bilan, c'est satisfaction sur toute la ligne, la société du Tour, c'est promis, reviendra. Je pense qu'en 15 ans, on n'a jamais vu autant de monde sur un prologue du Tour de France. Au point de vue médiatique, un suivi parfait de toute la presse belge, régionale, nationale. Et ça, c'est vraiment idéal. Et puis, les infrastructures étaient idéales, que ce soit à la fois international, ici, le village, dans le parc d'Avroy, qui est verdoyant, donc pour un grand départ, c'est très bien. Et en plus, le temps est avec nous. Il n'a pas plu hier, il ne peut pas ce matin, donc tout se passe bien. Côté sécurité, tout s'est également très bien passé. Communication exemplaire, mobilité assurée, collaboration avec les forces de police régionales. C'est un vrai soulagement. On respire, donc on est très satisfait parce que pas d'incident. Quatre petits faits tout à fait mineurs, on est très satisfait. Donc les Liégeois et les autres, les spectateurs n'ont pas eu peur de venir sur Liège, n'ont pas eu peur d'être pris dans des embouteillages. Nous avons déjà accueilli l'Eurofoot.
Nous avons accueilli le départ du Tour de France. Je crois qu'il ne reste plus que la Coupe du Monde de football pour faire mieux. Côté finances, villes et provinces doivent encore faire leur compte. Heures supplémentaires des agents communaux et des policiers devant s'ajouter à l'enveloppe des 125 000 euros déjà versés au Tour de France. Montant dérisoire pour certains au vu de l'incroyable opération d'image de marque réalisée au cours de ces deux jours de l'IS Sportif. Impliqué dans cette organisation, on ne doute pas que le bilan Charleroi sera lui aussi positif. John Le Lang parlait du beau temps, il a plu cet après-midi, ça a un peu contrarié la course. Quelques chutes, vous l'avez vu, pour une première étape en ligne du Tour. Et puis, il y avait beaucoup de spectateurs, des milliers hier à Liège, entre 200 et 250 000, c'est énorme. Et puis des spectateurs inattendus, comme vous allez le constater dans la séquence d'Olivier Gaspard. Alain et Annie sont membres du CREAM. Ils sont aussi passionnés de cyclisme et dans le cadre de leurs activités, ils ont fabriqué toute une série d'objets en rapport avec le Tour. Des sculptures, des dessins, des collages, leur façon à eux de présenter le monde du vélo. Il y a l'hymne, il y a les autres ici. Pourquoi est-ce que tu as choisi Eddy Merckx, Annie? Parce que des mecs, ils ne courent plus. Ils ne courent plus, non? Ils ne courent plus. Et tu aimes bien Eddy Merckx, tu aimes bien Eddy Merckx? Oui, j'aime bien Eddy Merckx. Aujourd'hui, la journée est un peu spéciale pour Alain et Annie. Ils vont pouvoir vivre le Tour, rencontrer les coureurs. Bonjour. Bonjour. Annie, Alain. Voilà. Ça va? C'est le fils d'Eddy que tu aimes bien. Voilà. Elle parle tout le temps d'Eddy Merckx. Voilà, ça c'est Axel, c'est son fils. Bonjour Christophe. Il s'appelle Christophe. Bonjour. Ça va? C'est là Christophe. Quel âge? Quel âge? 27 ans. Oh là là, elle est plus jeune. C'est vieux. Ah non, je suis jeune, bon, ça va. Fait. Il est 12h30. Les 188 coureurs du Tour prennent le départ de Liège, direction Charleroi. Pour des milliers de spectateurs, pour Alain, pour Annie, c'est le moment tant attendu. Pendant quelques secondes, ils en prennent plein les yeux. Avec ce que tu as vu aujourd'hui, tu vas nous faire une belle peinture alors? Oui. Tu nous la montreras après? Oui. Aujourd'hui n'était vraiment pas un jour comme les autres. Pour Alain, pour Annie, le passage du Tour, c'était aussi jour de fête. Voilà, belle histoire, une de plus. Il y en a beaucoup de belles histoires dans le Tour. La grande histoire du Tour en Wallonie continue demain avec Charleroi-Namur, 197 km. Jean-Luc, on va découvrir le profil de l'étape. Une question, pourquoi n'ont-ils pas mis la citadelle, la superbe citadelle et la route merveilleuse dans le parcours, à votre avis? À mon avis, peut-être qu'en haut de la citadelle, il n'y a plus suffisamment de place pour accueillir les infrastructures du Tour. Je ne sais pas, il faudrait poser la question à Jean-Marie Leblanc, mais c'est dommage. Voilà, et peut-être qu'on a voulu épargner les sprinters aussi. Vous avez vu le parcours, eh bien, 197 km, je vous l'ai dit, on passe par Mons, on fait un petit tour en France. Bah oui, c'est normal, hein, le Tour porte ce nom-là. On revient dans la province de Namur, arrivé dans la capitale de la Wallonie. On sera là en direct à partir de 14h avec Abicyclette. N'oubliez pas la page spéciale dans le JT. Merci Jean-Luc, vous êtes notre consultant sur tout le Tour avec Vincent Langendries. À tout à l'heure, Pierre. Oui, merci Michel. À demain matin surtout. Rapide coup d'œil maintenant sur les rendez-vous vélo de ce lundi justement. C'est l'étape évidemment Charleroi-Namur. Premier rendez-vous télé, 12h30 sur la Une. Bonjour le Tour. Ensuite 14h05, 14h35, c'est l'émission à bicyclette, suivie bien sûr du direct. 17h40, c'est à nouveau l'émission à bicyclette, un rendez-vous avec Vincent Langendries. Et puis 18h55, 19h25 à peu près, juste avant le JT en tout cas, le journal du Tour. Et pour en terminer avec La Petite Reine, cet ouvrage d'un ancien roi du micro, celui-là, notre ex-confrère Théo Matty, La Wallonie, les Wallons et le Tour de France, deux tomes dont celui-ci, truffé d'anecdotes inédites et de souvenirs savoureux de notre ami Théo, avec en prime, bien entendu, une préface signée Eddy Merckx. Voilà, et si l'athlétisme vous intéresse, voici un jeu concours qui va vraiment vous concerner. Il va vous permettre de gagner des places et des entrées pour le prochain Mémorial Van Damme, 3 septembre, au stade Roi Baudouin. Alors, prenez vite de quoi écrire. La question du jour est la suivante. Combien de médailles l'athlète américaine Marion Jones a-t-elle gagné aux Jeux Olympiques de Sydney, aux derniers Jeux Olympiques? Donc, première possibilité, 5 médailles. Deuxième, 2 médailles. Troisième, 3 médailles. Réponse
réponse au 0900 286 04, 45 centimes par minute, ou alors SMS 3320 avec un code à faire, MVD comme Mémorial Van Damme. Laissez un espace et puis encodez le numéro de votre réponse. Le nom des gagnants sera annoncé en direct dans le prochain week-end sportif dimanche. Il y a deux semaines à Indianapolis, et on parle bien sûr de Formule 1, Michael Schumacher était parti en deuxième position, tout juste derrière son équipier Barrichello, et il s'était imposé devant Barrichello. Et bien, même scénario ce dimanche à Magny-Cours, l'Allemand s'est lancé derrière Fernando Alonso cette fois, et sur la ligne d'arrivée, Schumi précédait le jeune Espagnol, Arnaud Quitelier. Malgré la présence de Fernando Alonso en pole position sur la grille et un excellent départ de l'Espagnol, ce Grand Prix de France fut une nouvelle fois bien rouge. À signaler l'excellente envolée de la deuxième Renault, celle de Jarno Trulli, qui s'impose en troisième position. Alonso, sur deux roues, à l'attaque, image à l'appui. Même à l'issue des premiers ravitaillements, le jeune pilote Renault reste en tête devant Michael Schumacher. Pour Takuma Sato, c'est l'heure de la sixième casse moteur de la saison. Et pour Juan Pablo Montoya, c'est un week-end à oublier. Il marquera tout de même le point de la huitième place. Michael Schumacher qui ravitaillera chaque fois avant son concurrent le plus direct, Fernando Alonso. À 38 tours de l'arrivée, l'Allemand prend la tête du Grand Prix et fait le forcing. Alonso cravache lui aussi, mais Felipe Massa ne s'écarte pas assez vite à son goût. L'Espagnol le fait savoir. Lors du dernier ravitaillement de l'Espagnol, les jeux sont faits. Schumacher reste en tête. Fernando terminera deuxième du Grand Prix. Sans cette petite erreur lors de la relance de sa barre, Jenson Button aurait pu jouer le podium. Mais dès sa sortie des stands, Rubens Barrichello le double et prend ainsi la quatrième place derrière Jarno Trulli. Ferrari qui nous réservera encore deux petites surprises avant la fin du Grand Prix. La première, un quatrième arrêt pour Michael Schumacher. Tout le monde a l'air surpris, à commencer par les mécaniciens Ferrari. On savait que c'était optimiste, mais sans risque, il n'y a pas de plaisir. Michael Schumacher s'impose donc pour la septième fois en France. Il remporte sa neuvième victoire sur 10 Grands Prix cette saison. La deuxième surprise viendra de la part de son coéquipier Barrichello, qui dans le dernier tour, à quelques mètres de l'arrivée, profite d'une petite erreur de Jarno Trulli pour prendre la troisième place derrière Alonso. Prochain Grand Prix sur la RTBF dans une semaine en Angleterre. Toujours ce week-end, on disputait le Westhoek Rally à Ypres, une épreuve qui comptait pour le championnat d'Europe de la spécialité. Conséquence, pas de WRC, c'est-à-dire des World Rally Cars, mais des Super 1600 et des groupes N qui ont assuré le spectacle. Victoire de notre compatriote Larry Coles, c'était la première à Ypres, sur Renault Clio 1600, et résumé de la course avec, eh bien, avec Gérald Wery. 40e édition du Rallye à Ypres, plus ouverte que jamais, 20 candidats à la victoire et une grande question, quelle voiture pour gagner? Une Super 1600 prototype d'euromotrice comme la Fiat Punto Super 1600 de Bernd Kazir ou une voiture de série Groupe N 4 euromotrices turbo, toutes des Mitsubishi. Samedi matin, la pluie arrose le Westhoek. C'est une patinoire, avantage aux 4 roues motrices Groupe N du Hollandais Bevels et du Flandrien Van Wunzel. Les deux roues motrices sont à l'agonie, tel Bruno Thierry et sa nouvelle Citroën C2. On a frôlé la correctionnelle dans la première, alors limite. Samedi après-midi. Retour du soleil et remontée aux avant-postes de Larry Coles avec sa Renault Clio Super 1600, deux roues motrices. Dimanche matin, ciel couvert et la menace est grande pour Larry Coles. Il craint, mais le Verviétois résiste et rentre à Ypres en vainqueur devant le Hollandais Bevels. Première victoire pour le pilote Renault dans la cité des chats. Souvent dans votre jeune carrière, vous avez perdu dans les dernières spéciales. Vous craquiez sur la fin et là, pas du tout. Oui, non, on n'a pas craqué du tout. Dans la dernière spéciale, on a laissé le scratch. Je ne sais pas si c'est à Simon ou à Bruno, mais on a super bien roulé, on a bien maîtrisé ça. Et pour la première fois sur le podium, le Marchois Xavier Bouch, troisième. On a battu Patrick Snerrière, qui est 8 fois champion de Belgique. Je crois que c'est merveilleux. Il a gagné Ypres ici au moins 5-6 fois. Il fait partie de la légende de Ypres et on l'a battu sur la même voiture. Je crois que c'est exceptionnel.
Voilà, et toujours concernant le rallye d'Ypres, on l'a appris il y a quelques minutes, le classement est suspendu parce qu'il y a eu l'un ou l'autre pilote déclassé et des pénalités infligées à d'autres équipages. Sport moteur toujours, 11e épreuve du championnat du monde de motocross sur le sable noir d'Oudevalla en Suède. Et après sa défaite la semaine dernière face au Français Pichon, notre compatriote Stéphane Evertz espérait une revanche éclatante. C'est tout l'inverse qui s'est produit. Michael Pichon s'est une fois de plus imposé. Hervé Gilbert. Battu sur leur terre à Neerouteren dimanche dernier, nos pilotes avaient un œuf à peler avec le Français Michael Pichon. Revanche programmée sur le sable noir d'Oudevalla en Suède et un début d'après-midi qui commence assez mal pour eux, bien pour nous. Le jeune Kevin Streibos, 18 ans, première saison en 450, remporte la première manche devant le Danois Jorgensen et le Français Pichon. Evertz, en mal de stabilité, termine quatrième. Dans la deuxième manche, les Belges baissent le guidon. Pichon trouve les meilleures trajectoires, il décroche cette deuxième manche et le 11e Grand Prix de la saison devant Jorgensen et trois Belges, Evertz, Streibos et Ramon. Au classement mondial, Evertz reste solide leader devant Pichon. Ramon, Streibos et Mellot sont dans l'ordre 4e, 5e et 6e du général. Voilà, avant de se quitter, quelques brèves en football, notamment au match aller du deuxième tour de la Coupe Intertoto. Westerlo a partagé 0-0 face au Tchèque de Zlín, pendant que la Gantoise s'inclinait en déplacement au Vardar Skopje. Grand coup de chapeau, un de plus à Philippe Meurag. Notre compatriote s'est imposé à Calgary, 6e manche de la Coupe du Monde de VTT. Au classement général provisoire, Meurag conforte sa position de leader. Raoul Polissen, notre autre compatriote, occupe la 3e place. Tout cela est évidemment de très bon augure à quelques semaines des prochains Jeux Olympiques. Enfin, vous signalez la médaille de bronze de Marino Vanhoenacker au championnat du monde de triathlon longue distance. Et on va se quitter évidemment avec des images de la petite reine du Tour de France qui est donc chez nous demain. Ne manquez pas bien sûr tous les rendez-vous pour cette étape Charleroi-Namur. Merci à tous de votre fidélité. Merci aussi à l'équipe alignée ce soir sous la houlette d'Ingo et d'Otavia. J'aurai le plaisir évidemment de vous retrouver dans les prochains jours. Il marque, voilà là quel but! Et il nous montre toute sa joie. Le week-end sportif et les Diables Rouges, via Dexia. Recevez directement via SMS tous les résultats de la Ligue Jupiler. Pour les résultats du week-end, inscrivez-vous en envoyant un SMS au numéro 3028 avec le code RTBF espace FootJup. Pour le classement général, tapez le code RTBF espace FootClass. Plus d'infos, télétexte page 399 avec la RTBF et Etri. Les Vérandas 4 saisons à Marche-en-Famène, depuis bientôt 20 ans, sans doute le leader incontesté en Wallonie, permettent que votre rêve devienne réalité afin que vous puissiez jouir de votre véranda. Qu'elle soit la pièce la plus agréable de votre maison et puissiez profiter ainsi au maximum de votre jardin. L'expérience et le savoir-faire des Vérandas 4 saisons permettent à la clientèle de trouver le modèle qui correspond le mieux à son budget. Des victoriennes au modèle plus classique, en bois et en aluminium. Vous découvrirez également un important département mobilier et décoration. Venez donc découvrir les 7 vérandas d'exposition dans un showroom unique en Wallonie, ouvert 7 jours sur 7, de 10 à 18 heures sur le zoning industriel de Marche-en-Famène. Et c'est lancé! Jaune pour la victoire. Blanc à bois rouge pour la montagne. Le sprint est lancé! Une chute! Nouvelle chute! Une fois de plus! Pour le sprint. Essaye de remonter Zabel. Petaki en sprint, non, il est impossible à remonter normalement. Avec des directs, le journal du tour.
et à bicyclette, en juillet, la chaîne fait le tour complet. Aujourd'hui, nous retrouvons Guy Lemaire à Ewaï sur le parcours de l'étape Liège-Charleroi du Tour de France, où il a rencontré un passionné de la petite reine. Bonjour et bienvenue dans Télétourisme, que l'on pourrait presque rebaptiser cette semaine, et aujourd'hui cyclotourisme, puisque nous sommes gagnés par la fièvre de la couleur du maillot qui le caractérise, la fièvre cycliste, celle du Tour de France qui prend son envol chez nous, qui s'attarde en Wallonie comme jamais auparavant. Il ne l'a fait comme il ne fera peut-être plus jamais. Nous sommes ici sur la Nationale 30 aux portes de l'Ardenne, une route que connaissent bien les concurrents de Liège-Bastogne-Liège et qu'emprunteront également ceux de l'étape qui conduira les peloton de Liège à Charleroi. Alors nous aussi, on s'est dit qu'on allait en mettre un rayon. Je me sens les fourmis dans les jambes. Moi, bougez-vous, je dépasse. Les vélos, c'est pas fait pour rouler sur les trottoirs. Hein. Mais les vélos, c'est comme les chevaux aussi. Hein. Ça reconnaît toujours l'écurie. En l'occurrence, nous sommes chez un vélociste qui a presque 100 ans. Enfin, pas le vélociste, hein, la boutique, et à deux pas de chez Philippe Gilbert, le grand espoir du cyclisme professionnel wallon, qui n'est pas sur le tour cette année, mais ça ne saurait tarder. Je crois que j'ai vu à l'intérieur un véritable passionné. On va aller le rejoindre. J'avais mes informations. Vous êtes Paul Bolland, vous êtes le gouverneur de la province de Liège, c'est ça ? On ne peut rien vous cacher. enfin, je dirais presque, dans la situation qui nous occupe, accessoirement gouverneur de la province de Liège et passionné, actif de cyclisme. Mais l'un n'empêche pas l'autre, et évidemment, surtout à l'époque du Tour de France, il se prépare, oui. Alors, on peut le dire, Paul Bolland, vous n'êtes candidat à rien. Si le Tour est en Belgique et en Wallonie en particulier, c'est à vous qu'on le doit. Le départ en Belgique, c'est historique, ça ? Non, ce n'est pas historique, il y a eu déjà des précédents, oui. Mais je veux dire, sur une échelle pareille, si j'ose dire, c'est-à-dire en fait 4 jours de présence en Wallonie, c'est en effet une très grande première, et c'est le résultat de tout un travail d'équipe, puisque comme vous le savez, la province de Liège est un des éléments de l'opération, mais il y a la région Wallonne, il y a les villes de Charleroi, de Namur et la commune de Waterloo. Ceci dit, ce n'est pas la première fois que dans vos fonctions de gouverneur, vous accueillez le Tour de France dans votre province. Non, et dans ma vie antérieure comme député provincial, puisqu'en 89, le Tour était venu à Spa-Francorchamps. En 95, c'était aussi deux journées avec le maillot jaune d'Indurain à Serein. Et en 2001, plus récemment, avec l'étape Anvers-Serein. Nous sommes dans une région, vous les avez accueillis pour un des lancements du Tour de France, où il y a eu d'anciens, non pas vainqueurs du Tour de France, mais vainqueurs d'étapes et d'excellents classés au général. Évidemment, le nom qui vient à l'esprit, évidemment, quand on parle du cyclisme liégeois de ces dernières années, et du Tour de France, c'est évidemment Joseph Bruyère, qui a été maillot jaune lors de 2 Tours de France. Et donc je me souviens personnellement avoir vécu le retour triomphal à son village de Saint-Remy, sous le soleil, à l'époque d'ailleurs, un soleil que nous espérons également présent début juillet. Enfin, je constate qu'il n'est pas le seul à avoir porté le maillot jaune du Tour de France. Non, mais ici, bon, c'est un peu... J'ai rêvé ce matin que je pouvais peut-être un jour être maillot jaune, voilà. Du matin, c'est la plus belle pièce, je dirais pas de votre collection, mais de votre magasin, ça, non ? Oui, tout à fait. C'est le plus beau vélo actuellement exposé au magasin. Le vélo qui est un vélo de course, c'est le cas de le dire, mais vraiment de course ? Vraiment. Je veux dire, on peut en voir un pareil dans le peloton pour le moment ? Tout à fait. On voit les mêmes types de cadres dans le peloton que vous verrez sur le Tour de France. Donc, tout carbone, le cadre, la fourche, le pivot de la fourche, les accessoires comme la tige de selle. Toute la mécanique du vélo est en rapport, évidemment. On est sur un groupe, c'est le haut de gamme d'une grande marque japonaise. On est sur 2x10 vitesses. On est sur des roues très légères qui équipent plus de 50% du peloton professionnel. Et qu'il ne soit pas question d'argent entre nous, mais 3 750 euros, hein, faut quand même le dire à nos téléspectateurs, au cas où. C'est vrai, c'est un prix, mais la diminution de poids coûte excessivement cher. Plus on a un vélo léger, plus il est cher. Celui-ci n'est pas très lourd, hein, je crois. Ben, soulevez-le, vous allez vous faire une tendinite. C'est 7,7 kg. Oui, on peut le porter à une seule main. Oui. Bah, écoutez, puisque vous me le proposez si gentiment, je vais l'emporter. Vous avez votre carte de crédit.